Yep, bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur Zone Art TV, bienvenue dans la culture de la zone. Nous avons le plaisir de recevoir Landry Parker Bagalois déjà qui prépare son événement jusqu'à quand Seigneur, prévu pour ce 18 août 2024 à 14h27 minutes. Il est avec nous, Landry, bonjour. Bonjour monsieur Calvin. Tout va bien? Ouais, je vais bien. Voilà, déjà, c'est ton premier spectacle que tu prépares? C'est mon deuxième one man show. Ouais. Je le prépare. Approche-toi un tout petit peu du micro. Ah, d'accord. J'ai dit bien, c'est mon deuxième one man show. Ouais. Prévu pour ce 18 août au Collège Mwanga. Jusqu'à quand, Seigneur? Voilà, déjà, c'est pas Seigneur comme genre éternel et tout, mais c'est Seigneur. Oui. Pour dire quoi? Voilà, déjà le titre du spectacle, Seigneur, saigne et erre. Saigner, c'est du verbe saigner. Et erre, en grosso modo, on aimerait dire quand est-ce qu'on arrête de saigner. Ok. Oui, c'est ça les concepts, quand est-ce qu'on arrête de saigner. Alors, j'avais choisi mieux mettre jusqu'à quand, Seigneur. Quand est-ce qu'on arrête de saigner? Oui. Tu parlais vraiment de ce qui se passe à l'Est? Évidemment, on parle de la situation qui se passe à l'Est, le massacre partout, partout. Alors, ce spectacle, ça sera dans le cadre de donc, rigoler dans les joies, dans nos rires, dans nos peines et tout et tout. Voilà. Alors, le spectacle est prévu pour ce 18 août 2024. Ça va être l'occasion pour toi de passer le message par rapport à ce qui se passe ici? Très évidemment, parce que déjà, c'est la deuxième production. La première production, on a essayé un peu de faire le meilleur de nous-mêmes. On a passé le message de paix. Et je crois pour cette deuxième production, encore une fois, on va parler de la situation qui se passe à l'Est. Voilà. C'est sûr que Landry sera passé là, sur le stage. Il y aura pas mal d'invités, on peut déjà, je peux juste nous donner une idée sur les invités qui seront là. Ah, très évidemment, je ne serai pas seul sur le stage ce jour-là. On sera avec Marquis Joe de Lubumbashi, aussi avec Red Bienf de Bukavu, Lynxman de Goma, on sera avec Jospin Baraka aussi de Goma, on sera aussi avec Apolline Sungula Slamez, et on sera aussi avec Marcelin, il est du Burundi, et d'autres artistes locaux. Ouais, des artistes locaux. Voilà, le prix des places est 5000 francs billet standard. Très évidemment, le prix de place est à 5000 francs billet standard. Ouais. 15000 francs le VIP. Mmh. Et 50000 francs le paquet famille. Là, vous venez à 4, papa, mmh, maman et les enfants. Voilà, et quand on paye 50000 francs, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les avantages? Il y aura à boire et à manger. Ouais. Il y aura à boire et à manger. Et vous allez rigoler comme pas possible. Et à 5000 francs, on va rigoler. Oui, à 5000 francs, on va rigoler. Mais sans rien prendre. On est en train de voir de faisabilité parce qu'on n'aimerait pas que quelqu'un voie l'autre en train de manger et puis lui ne mange pas. Mmh. On est en train de voir comment est-ce qu'on va gérer nos amis qui ont payé leurs 5000 francs avec quelque chose à mettre sous la dent. Ça se passe au Collège Mwanga, c'est 18 août 2024, à 14h27 minutes. 14h27 minutes. 27 minutes. Oui, pas 30, parce qu'à 30, on aura déjà fini. Donc, 14h27. Le spectacle aura que 3 minutes. Vraiment, nous, on commence à 14h27 pour dire que les gens doivent être là avant 14h27 pour qu'ils puissent entrer dans la salle. Et à 14h27, normalement, on commence le spectacle, on ferme la porte. Voilà. Les billets, est-ce que les billets sont déjà disponibles? Oui, très évidemment, les billets sont disponibles partout. Ah ouais? Où précisément, on peut avoir déjà des points de vente. Voilà, on a déjà 3 points de vente. Le Collège Mwanga, voilà, là c'est H24. Tu peux passer à tout moment pour nos amis qui sont au niveau de la ville, au niveau du Birere et tout, Mabendo et tout. On a aussi l'autre point de vente au centre des jeunes SKV à Katoï. Et l'autre point de vente est toujours là-bas à Katoï, en face de l'église Bima. Aussi, il y a notre, nous on appelle ça taxi billet en fait. Mmh. On fait la livraison à domicile. Ah ouais, ouais, livraison à domicile. Évidemment. Il y a un numéro qu'on peut contacter. Oui, il y a un numéro où tu peux contacter pour avoir un billet facilement. Voilà, on peut avoir les numéros. Le 09 90 31 28 73. 09
90 31 28 73. Voilà. Alors, les billets sont déjà disponibles et c'est pour ces 18 déjà. Alors, tu peux me donner les trois bonnes raisons d'être présent, ces 18 au spectacle jusqu'à quand, 5R. Voilà, les trois bonnes raisons pour être au spectacle jusqu'à quand, Seigneur, pour ces dimanches. Il y a notamment, premièrement, il y a les titres du spectacle lui-même, jusqu'à quand, Seigneur. Parce que là, on va parler de nos joies et de nos peines, le rire vraiment qui vient de ça. Aussi, deuxième raison, c'est les artistes invités qui seront là sur scène, les artistes qu'on a invités. Et aussi la troisième raison, parce que ça sera aussi une preuve de soutien. Voilà, preuve de soutien. Parce que quand on soutient l'art de chez nous, vraiment ça fait partie des trois bonnes raisons pour être à ce spectacle les 18. Ah oui, est-ce que tu nous fasses quelque chose pour nous donner quand même une petite idée de ce qui va se passer ces 18? Voilà, ce n'est pas trop grave de vous faire quelque chose, avoir l'idée de ce qui va se passer les 18. En fait, j'ai des bonnes histoires. En fait, moi, je me pose toujours la question, elles sont comment les mamans de la pharmacie? Ok. Parce que récemment, j'étais avec ma petite amie à la maison. Elle avait deux maux de tête. Moi, j'étais obligé d'aller à la pharmacie, aller payer un comprimé Kifarou. Bon, ouais. Pour ceux qui ne savent quel pas. Quel comprimé? Kifarou. En fait, c'est une dope paracétamol. Elle avait mal à la tête. Bon, en fait, une dope paracétamol direct pour ceux qui ne savent pas. Ok. Et puis j'arrive là-bas, j'avais un billet de 5$. J'ai dit à la maman, j'ai besoin d'un comprimé Kifarou. Elle a pris les 5$. Apparemment, elle n'avait pas l'échange. J'ai vu la maman sortir de la porte et crier, maman Chikou, on n'a pas quoi à ma frère à 5 ans, il au garçon, malgré au mon Kifarou. Ataoué Peke Calvin. Donc, qui peut prendre ça? C'est normal. Donc, qui tu as? Qui t'a rendu ça? Donc, voilà. Mon frère, c'est compliqué. Avec Kifarou, c'est compliqué. Comment? Et puis, je vais dire aussi un truc. Toujours dans la pharmacie, les mamans de la pharmacie, on aimerait que vous soyez seules dans la pharmacie. Après, on a un billet à ma patate. Nous, à un moment, on n'aime pas exposer nos problèmes. Comment est-ce que tu vas payer préservatif dans la pharmacie et il y a tout le monde? Comment est-ce que tu vas dire ça? Je pense que j'ai une idée sur ça. Il faut qu'on cherche notre nom. Ah, voilà, peut-être ça. C'est ça. Et puis, je me pose aussi la question, comment ils font les hommes qui découchent souvent dans des bars? Imaginons, si Dieu avait créé pénis comme crayon, et qu'à chaque fois, avant de l'utiliser, il faut tailler. Comment va moi, créer aussi chaque aïche? Vraiment, c'est tellement compliqué, c'est tellement compliqué. À un moment, on s'est dit, ah, c'est quoi cette histoire? Et puis, avec la situation qui se passe à l'Est et tout, moi, je me dis, il y a des histoires dans la Bible qui sont passées vraiment inaperçues parce qu'il n'y avait pas présence d'un Congolais. Parce que là, qu'il y a un Congolais, il y a quand même la solution. Imaginez la scène où Jésus avait fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Si c'était un Congolais qui allait nous expliquer comment c'était, ça allait donner un truc genre... Angali, Anani, Chetani... De toutes les façons, ni mes fans à 40 jours, 40 nuits, ni les connais qu'on est qu'à la Kongo, Kunyumba, Kure, Kingakati, Babangwa Kanyambia, ni fans à 40 jours, 40 nuits, ni Kasema, de toutes les façons, si ta katala, appelle à papa, ni Kaenda, si Kuya Kwanza, Diacholi, ni Toka, Muli Muzima. Siku ya pili nikasema mama olive nikoroge maji ya sukari. Siku ya tatu nikaangalia sita resiste. Shetani nipe mkati nikole. En fait ça allait passer juste comme ça. Jusqu'à quand c'est bien, c'est pour ce 18 août 2024 dans la grande salle du collège Mwanga. C'est à 5000 francs, 15000 francs ticket VIP et 50000 francs. Ticket famille, venez si nombreux, venez soutenir l'artiste, voilà, l'humoriste Landry Parker. D'ailleurs, il y aura d'autres, t'as dit qu'il y aura des humoristes locaux. Évidemment, évidemment. Voilà, et puis Yared Bien de Bukavu qui sera là, Apolline Laslamez qui sera là, Lince Pomba qui sera là, Joseph Baraka, et puis Marquis Joe de Lubumbashi.
wangali ba toto goma no bambie ou a un message ou ba ite baki bien sûr petit wakati a bien awe c'est du 8 août 2024 voilà ba toto ya goma atiani c'est même swahili ndo toto skiana très bien voilà ba toto regardez la caméra ba toto ya goma on se donne rendez-vous tous chez beauté tukui et twitane les 18 au collège Mwanga ni beichini tunalewa kaza mingi sana tunadepensa kaza mingi sana majiga mo mamega mais pour une fois tukui et tuji déstressé parce que situation tuko naishi ndani ni situation ko matata masasi huko na kule bandugu yetu biko nakufa sana maintenant pour un moment avec ba humoriste tout a passé moment ya kuji déstressé tunasahau nos peines zenye tuko na pita tunasahau ma blessures zenye tuko nazo parce que chez Goma atukwake na makuta ya kwenda angalia ba psychologue mais à partir il y a un spectacle jusqu'à quand seigneur déjà tu dois tout monde ba psychologue ba dois tout saidia kutosha ma charge zenye tuko nazo donc moyenne 5000 francs 15000 francs 50000 francs venez nombreux pour soutenir et participer dans ces grands spectacles de l'humour à Goma. Merci beaucoup, Batoto à Goma, Touya Alexana. Voilà, soyez présents, déjà c'est 18 août 2024 au collège Mwanga. 5000 francs, 15000 francs et 50000 francs. Venez, moi d'ailleurs je serai là. Tu serais là. D'ailleurs, je suis en train de causer avec Landry Parker, voir si il va me donner 5 minutes parce que j'ai aussi un petit talent caché. Donc, il n'y a que des surprises. Merci. Et on se capte les 18. On est ensemble.